première fois que j'ai animé un défi extrême, ça se passait dans le camp abandonné. La deuxième fois quand j'ai fait mon défi extrême, ça se passait dans la tour Espersia. À votre avis, pour mon troisième défi extrême, ça va se dérouler sur quel lieu cette fois? Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce défi extrême sera encore plus dangereux et encore plus difficile que les autres défis extrêmes que je vous ai animés. Bienvenue dans la vallée du danger! À ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Doug Dutchers et j'anime les défis extrêmes de la région. Si vous vous souvenez la dernière fois, j'avais animé la tour des défis extrêmes avec plus de 24 candidats. Et ben là, cette fois, j'en ai décidé de mettre 23 candidats parce que... voilà. Et comme vous le savez, la dernière fois, j'ai eu un assistant qui s'appelle Rotiflamme et qui me surveille pour que je fasse bien mon travail. Et suite, grâce à mon argent que j'ai gagné grâce à la tour des défis extrêmes, j'ai même voulu embaucher avec un chef qui fera de meilleur travail que le chef sauce parc de merde. Chef! Et tu as bien fait, mon gars. Là, tu as bien fait, non seulement me donner l'argent, mais en plus m'embaucher pour que je puisse faire la misère en candidat. Ça, tu as raison. J'ai toujours raison, mon gars. Par contre, les règles du jeu restent telles qu'elles sont. Une bande de joueurs s'en aille qui vont devoir se battre dans la plupart des épreuves pour rester jusqu'à la fin de l'émission pour gagner, pas 4 millions, mais 5 millions d'euros. Cela dit, un vainqueur devra prouver son talent s'il voulait avoir la récompense. Jusqu'ici, j'ai pas fait de conneries? Parfait! Mais... le chef, lui, au moins, il sait m'apprécier mes travails. Mais enfin bref, en parlant de candidats, comme je vous l'avais pu expliquer il y a bien longtemps, j'avais expliqué qu'il n'y aura que des anciens candidats qui n'ont participé qu'un seul fois à l'émission et des nouveaux candidats. Pas des candidats qui sont trop populaires ou bien encore qui ont participé beaucoup à un défi extrême, parce qu'il faut bien relativiser les candidats qui sont sous-exploités. Et justement, en parlant de candidats, Rotiflamme, je peux te faire une exception. Fais-moi un coup pied au derrière. D'accord. T'étais obligé de faire fort? Bah, ouais, s'il fait des conneries. Je te commente en commentaire. Est-ce qu'il est vraiment obligé de frapper à ce pouvoir-là? Je te jure, quoi. Enfin bref. Oui, mes très chers spectateurs, c'est ici où on va devoir rencontrer les 23 candidats qui ont inscrit à cette émission et qui ont même participé au casting. Ah, j'oublie un petit détail. Tic, barrière activée. Parfait. Bah oui, si vous tournez dans la tour des défis extrêmes, Conqueur a squatté mon émission et en plus il y avait un attentat. Cette fois, il n'y a aucune chance pour qu'il y ait des squatteurs et surtout que ce Conqueur vole mon émission. Mais surtout l'attentat parce que, ouais, c'était chiant. Ah, voici les 23 candidats. Je me demande qui l'a embranché. Enfin bref, c'est le moment de la présentation des 23 candidats. Voici Grotilda. Tom. Toi, t'as pas intérêt à approcher avec moi si tu veux pas recevoir une baffe. Ça vaut aussi pour toi. Kenny. Flaky. J'espère qu'honnêtement, je vais participer à un meilleur défi extrême. Grise. Oh, trop cool. Oh là 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 là. La vallée du danger. Qui peut rêver de mieux? Gomer. Mon premier défi extrême. Tu es au courant que tu as participé à des BFB? Est-ce que ça compte comme un défi extrême? C'est comme un sous-défi extrême, mais bon, vu que c'est pas pour titre défi extrême, ça colle quand même. Allez, tu peux rejoindre les autres. Porciné. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu serais pas normalement un outil porciné, comme par hasard? Ah ça c'était il y a longtemps, mais bon voilà. Ouais, va rejoindre les autres. Ensuite on a Thor. Alors là, c'est incroyable, t'es candidat à la vallée. On dirait qu'il a tort de participer à des pièces. Très d'or, très 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 drôle, Tom. Hatsune Miku. Waouh, il y a quand même pas mal de candidats de la région, hein. Oh bonjour, je m'appelle Hatsune Miku. Salut. Salut. Salut.
mais heureusement qu'il y a quand même certains qui sont sympas. Kirby? Non, 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 pas le bad Kirby, le vrai Kirby. Paillon. Ouais, y'a intérêt, parce que franchement, le bad Kirby était vraiment chiant. Comment tu sais ça? T'as pas participé à la calère des défis extrêmes? Je l'ai vu. Ah, professeur P. Si jamais vous essayez de me faire chier, sachez que d'une chose, je vais tout faire pour vous faire éliminer un par un. T'aurais peut-être dû être en mode gentil comme Gracowiz ou bien encore Kimado. Pouah, c'est nul, c'est trop de la merde. Ça, j'approuve. Match. OMG, je viens de participer à la vallée du danger et il y a quand même pas mal de candidats qui sont un peu... bizarres. Mais c'est pas gentil de dire ça. Ouais, c'est pas très sympa ta part. Dis-tu, tu pourrais pas te taire un peu, quand même? Comme ça? Ouais, comme ça. Bernie Bar. Oh, salut les Lascars. Tu as l'air au top de ta forme. Ouais, parce que Bernie Barge, le meilleur toxiteur du monde, va tout faire pour gagner 5 millions d'euros. Si tu pourrais un peu te taire et rejoindre les autres. D'accord, d'accord. Oh, je vois que tu as une fille sexy, hein. Bah oui, que tu as engagé une candidate sexy, hein. Pardon? Dites, ça fait quoi, une chou-marin? Ça donne des choux, ah, 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 mais en marin. Si tu pourrais rejoindre et te taire. Merci. Vous connaissez même pas mon humour, sérieusement. Ensuite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Barty. Oh, yeah! La bande, la gogo est là pour gagner les 5 millions et me faire des thunes et me faire des tas de filles sexy. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des garçons qui sont pervers? Je suis un garçon et je ne dis jamais ça. Ouais, bon, d'accord, je vais pas mettre dans le même panier. Bon, Morty, j'ai entendu dire que ton contre-choc, que tu as voulu faire un contre-choc show, mais à la façon sexiste. Et j'adore! Pardon? Ouais, c'est ça, j'approuve. Bon, Morty, va te ranger, hein. Vous allez voir, Morty va tout faire pour vous faire sortir, hein. Scooby-Doo, la police nationale des Pokémon peluche. Je suis là pour régler l'ordre, parce que j'ai reçu un tas de titres employés du mois. Gugu. Hé, Gugu, Rouvarin va te mettre là-bas. Ensuite, Teardrop. Salut. T'es pas très bavard, toi. Enfin bref, range-toi. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire range-toi? Parce que j'en ai envie. Quoi, ça te cause un problème? Non. Tant mieux. Ensuite, Yellow Clawmate. Salut tout le monde! Non, 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 ne vous en faites pas! Je vais pas faire comme si j'étais dans un manga ou bien tuer tout le monde comme si j'étais un imposteur! Ah, ça c'est vraiment n'importe quoi, hein! Bon, salut! Laissez-moi faire un peu de place! Voilà, merci! Il a l'air pas mal! Loser! Salut tout le monde! Alors? Je suis content de participer à Tiffy Astra pour que je puisse faire un état de l'ami et... Range-toi! Mais je ne vais pas finir! Non, range-toi! D'accord... Ensuite, Razovski! Oh! Je n'ai pas voulu participer à Tiffy Astra, mais Morty me l'a forcé, hein! Et il a raison pour te souffrir! Bon, maintenant range-toi! Le monsieur... Hé, hey, tu me touches, je te tue. D'accord. Ensuite, Sora, mais qui cette fois-ci, il est bien dans la liste des candidats. Ah, j'ai pas réussi avec le plateau d'à côté, mais j'espère que pour ce défi extrême, je ferai à la hauteur. Hein. Mais ouais, c'est ça, hein. Range-toi avec Morty. Attends, ce serait pas lui qui a osé d'être sexiste et être arrogant? Si, range-toi avec Morty. Mais pourquoi? Parce que c'est moi qui le dis. D'accord. Toi, je t'aime pas parce que t'as Kairi. Mais quoi? Bon, ensuite, il y a qui d'autre candidat? Ah ouais, Shrek!
Salut tout le monde, je suis Shrek et je suis bien dans Je te news. Shrek, tu vas devoir te ranger. Oula, il n'y a plus vraiment plus de place. Et puis attends une minute, pourquoi je dis Shrek? C'est Shrek Chevalier. Pourtant, tu ressembles bien à Shrek. Mais je m'appelle Shrek Chevalier. Non, t'es Shrek, sauf que tu portes un amure. Je pourrais t'appeler Shrek qui porte la mûre. Mais mon vrai nom, c'est Shrek. C'est Shrek, tout court. Alors, tu la fermes et range-toi avec Bernie, hein. Oh, ça y est, je me rappelle pourquoi j'ai dit que je voulais pas participer à ce défi extrême. Et ensuite... Craignez-moi de la part de Darth Vador. Je vais tout faire pour... Mec, tu es Monsieur Vador. La ferme. Il devait avoir peur de moi pour que comme ça je suis plus... je suis plus imposante. Tu veux savoir ce qui est... Comment te faire pour que tu sois un peu plus imposant? Quoi? Va te ranger derrière ton pote, là. Mais j'ai le droit de... Je suis le présentateur. Et toi, tu n'es juste qu'un Monsieur Vador. Alors là, je vais te t'étrangler. Sérieusement, quand est-ce que tu vas comprendre que tu n'as plus de pouvoir? Tais-toi, chute! Balade et tout entendu. T'es trop gueugue! Moi, trop gueugue! Tu oses dire que moi, l'empereur est trop... Tais-toi et range-toi! Discute pas, fais-le! Je te jure, quoi. Eh ben, voilà que ça se résume le tout. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Il y a quand même quelque chose qui cloche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Espèce de débile, j'ai compté, ça en fait 22. Pff, tu as besoin des commentaires, monsieur le vieux schnock? Je viens d'avoir... Chut. Maintenant que j'y pense... Il ne reste plus qu'un candidat. Mais où est-ce qu'il est, le dernier candidat? Je crois qu'il décide de glander. Eh ben toi qui porte volontaire pour la parole, va le chercher. Mais... Va le chercher. D'accord. Lâche-moi, espèce de connard. Bah le voilà. Ah! Et enfin, le dernier, Badibou. Ouais. Il a participé à un défi extrême. Est-ce qu'il va tenir longtemps? Ça, je ne sais pas. Rien à foutre! Si t'en as rien à foutre, alors pourquoi t'es à participer à un défi extrême? Justement, rien à foutre! Ok, d'accord. Enfin bref, voici les 23 candidats! Pas de 1 de plus cette fois, hein! De quoi t'essaies de parler? Laisse tomber, tu peux pas savoir! Pousse-la! Poussez-vous! Poussez-vous! J'ai besoin d'espace, bande de merde que vous êtes! Oh, t'es vraiment pas gentil du tout! Sans blague! Oh, mais je te jure! Bienvenue tout le monde à la Vallée du Danger, réputée pour être l'un des lieux les plus dangereux qu'on ait pu connaître, avec des territoires dangereux et des créatures totalement sauvages que vous deviez en aucun cas l'approcher. D'accord, mais on peut commencer par les règles. Avant d'entrer dans le détail du défi extrême en lui-même, que diriez-vous d'une course jusqu'à ces territoires là-bas? Une course? Mais pourquoi faire? Démonstration. Tu as lancé sur qui? Il a l'air bizarre, ce mec. Ouais, de toute façon, je m'étais pas étonné. Qu'est-ce que... Les barges d'abord! Attends! Paillon! Sauf qu'il peut... Oh non! Moi, je m'enfuis pas. Je suis pas un lâche, contrairement à tout le monde. Discute pas, viens! Lâche-moi! Mousse! Jean-Christophe! Attendez-moi, bande de nuls! Ils sont où, les autres candidats? Je l'ai fait un peu d'exercice. Ne me dis pas que tu as manigancé quelque chose, mec! De toute façon, le contexte de la Vallée du Danger reste quand même présent.
Eh ouais, c'est comme ça comment ça va se démarrer ce défi extrême. Un peu de sport, ou bien encore une fuite contre le monstre en question. Laquelle? Et pourquoi? Parce que tu as jeté quelque chose qui permet d'attirer attirer les monstres. Ouais. Pour la première partie de la vidéo, de l'épisode 1, je vais faire une équipe de 2. De quoi est-ce que je parle et surtout quel principe, vous le saurez. Allez, voilà, justement. Tiens, je suis arrivé la première. Je suis arrivé la première. Comme quoi j'ai fait un très bon pas vers la célébrité. Oh, désolé, mon gros. Dommage que tu sois arrivé en deuxième. De quoi tu parles? Je suis toujours arrivé le premier. Là, tu vois, dernier barge, tu vas rejoindre l'équipe droite. Quant à toi, Candida, tu vas devoir rejoindre l'équipe gauche. Heureusement, je ne suis pas à côté de cet imbécile, hein. La goutte d'eau qui ne sait pas parler, équipe droite. Loser, équipe gauche. Dac-o-dac. Grise les soleils, équipe droite. Mais je suis pas un cervelé. Qu'est-ce que tu me racontes par là, sérieusement? La boule rose, équipe gauche. Poyon, 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 poyon. Quant à toi, le gommeur, équipe droite. Ça marche. Le gaga de service, équipe gauche. Ça marche, Gigi. T'es complètement malade, pourquoi tu veux nous faire courser comme ça? Parce que j'en ai envie. La chanteuse, équipe droite. Tu en es sûr? Peu importe, je m'en fous, je veux l'équipe droite. Oh alors là, c'était franchement dur. Pouah, mais ça va pas quoi? Mais au moins, je suis pas arrivé dernier. Thor et Morty, la chef de la bande à Gogol, équipe gauche. Dac-o-dac. Oh là 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 là. Le porteur de Keyblade, équipe droite. Le poule mouillé de service, équipe gauche. Je suis pas un poule mouillé, je suis un Poképic, pas pareil. Quelqu'un ça pique. Oh, désolé mon gars. Casse-toi, espèce de pauvre taré et cervelé quoi. Le professeur P qui a triché dans le passé, équipe droite. Tiens, c'est juste le passé, c'est toi qui l'as dit même. Abruti, je te jure quoi. L'allumette qui est essoufflée, équipe gauche. Je suis genre essoufflé et choqué de ton attitude, de ce que tu nous as fait, hein. L'esclave de Morty, équipe droite. Quoi? Tu devais être dans l'équipe gauche. Désolé, mais je dois obéir au présentateur. Mais après, ça dépend du contexte, hein. Ah, super. J'ai juste un gnome qui ressemble à un boule de crotonnet. Pardon? Mec, tu me connais même pas. Ouais, mais j'analyse même pas. Pas besoin d'analyser. Il faut calculer la personne en soi, hein. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bernie, je suis pas forcément d'accord avec toi, hein. Peu importe. Je suis comme... Je fais partie des winners, de toute façon. Puisque je te le dis. Shrek, prétendant chevalier, équipe gauche. Mais je suis un... Tais-toi. Oh, je te jure, quoi. La personne qui peut être à la fois le crewmate ou l'imposteur, équipe droite. Dac-o-dac. Oh, j'ai des gens très sympas, quand même. Bon, plus ou moins, quand même. Misère. Le porciné tout poule mouillé, équipe gauche. Oh, salut. Porciné. Ta gueule et rejoins dans notre équipe. Oh misère, j'ai un agressif. T'es vraiment un gros taré. Tu veux nous faire courser devant une créature? Sérieusement? Monsieur Râleur, équipe droite. Ouais, ça pourrait être pire.
Crois-moi, mon gars, tu n'as pas tout vu, hein. S'il te plaît, épargne tes commentaires. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Équipe gauche. Sérieusement, à part parler français, sérieusement. Mais il a sa capuche, il peut pas parler. Tais-toi et rejoins dans l'équipe gauche, espèce de crétin sans cervelle. Et bim. Oh, j'adore les... Aïe, ça fait mal. Espèce de crétin, est-ce que t'étais obligé de rester là? Mais je pouvais pas, crétin. Oh, le monsieur Vador, qui n'en fait qu'à sa tête, équipe droite. Je suis Darth Vador, je suis l'empereur. Franchement, j'ai voulu porter monsieur Vador, mais il a voulu n'en faire qu'à sa tête. Je l'ai relâché parce que franchement, j'en pouvais vraiment plus de son attitude. Hein. Épargne tes commentaires. Il y a quand même quelque chose qui cloche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 19. Il manque encore un candidat. Il y en a 22. Cette fois, j'ai bien calculé. Il est où ce candidat en question? Et enfin, le starter d'Alola qui n'arrête pas de dire rien à foutre, équipe gauche. Mec, pourquoi tu as voulu nous faire ça? On a failli se faire dévorer, sérieusement. Non mais sérieusement, Dr. Jones, tu te rends compte de ce que tu as fait? Relax, c'est juste que le début, hein. Après, les autres s'arrêtent à voir quand même si c'est pire ou pas. Tu es vraiment obligé d'être aussi sadique? Bah ouais. Bon, le principe. Alors, ce défi extrême sera beaucoup plus difficile que la tour des défis extrêmes, et voire même plus dangereux. Mais certains restent quand même à changer. Par exemple, à chaque élimination des défis extrêmes, vous devez recevoir des pénalités, mais pas recevoir des bonus. Quoi? Oh, misère! Rien à foutre. Oh, ça craint. Je pensais que cette fois, ce sera différent. Eh ben non, dans tes rêves. Et sache que je n'ai pas encore fini. Sachez que la vallée du danger, comme je vous l'avais expliqué, les territoires sont dangereux. Et donc, par conséquent, les belles épreuves aussi sont dangereux. Et à la fois, hardcore. Et on peut parler des cuisines? Il y a un seul type de cuisine. Celle du chef. Quoi? Mais attends une minute, on peut pas avoir des trois types de cuisine qu'on avait dans le plateau d'à côté? Une petite côté, ni. Non, parce que c'est trop facile. Privilégier le candidat, c'est même... Moi, je privilégie aucun candidat. Il n'y a aucun privilège. Mais par contre, en revanche, je vais faire une petite exception pour vous tous. Puisque l'un d'entre vous est débutant et entre-temps nouveau, je peux en faire une exception pour cette fois. Pour ce défi extrême, j'ai prévu de faire deux amiibo d'immunité. Un qui est caché partout dans la vallée du danger, et le deuxième qui était fait pour l'épreuve. Oh, là pour une fois ça me va. Laisse-moi expliquer quand même, mon gros. Celui qui aura la statuette d'amiibo sera le plus puissant de toute la vallée des défis extrêmes. Et il n'aura aucune chance à ce qu'il soit éliminé si vous avez la statuette d'amiibo. Mais tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble l'amiibo? Ah non, ce serait vraiment trop facile. Ce serait bien si vous découvriez par vous-même. Cherchez l'amiibo? Les doigts dans le nez, c'est plutôt facile. Sauf que dans la vallée du danger est beaucoup plus vaste que l'île Aronaka, ou bien encore de la tour des Tifestum, ou bien encore de la caverne, y compris du studio. Cette fois-ci, on parle de la vallée du danger qui est encore plus vaste sous le même équivalent de Breath of the Wild. Quoi? Braillou? Oh non, ça craint vraiment. En d'autres termes, c'est vraiment difficile de trouver un amiibo, hein. Alors là, franchement, ça craint. Bah, t'en fais pas. J'ai pas besoin d'amiibo, vu que Bernie sait comment gérer les situations. Mais ouais, c'est ça. Bon, maintenant que je vous ai expliqué le principe de TP Extreme, il est temps de vous donner l'attribution des dons des équipes. Vous n'avez pas d'idée? Moi je sais, l'équipe Morty Bogos. Les équipes personnelles sont franchement non pas autorisées. Des idées? Pas envie.
L'équipe Super Bernie. Pas de, d'équipe personnelle. Oh, et puis, vous savez quoi? Je vais vous donner les noms d'équipe. Puis, de toute façon, je l'avais prévu, hein. L'équipe droite, à partir de maintenant, vous vous appellerez les Félipiano Poignardants. Trop cool. Mais je ne veux pas poignarder quelqu'un. Mec, c'est juste un acronyme. C'est pas vraiment pour de vrai. Mais imbécile. Quant à l'équipe gauche, vous serez dorénavant appelés les plats des pics épineux. C'est vraiment piquant ce genre de nom d'équipe. Bref, maintenant que tout ça c'est fait, il est grand temps de faire la première épreuve. Quoi? Pardon? Sérieusement? Mec, on s'est fait courser par ce mec. On a fait des présentations, fait le générique, et en plus de ça, on a fait les noms d'équipe. Et maintenant, tu veux nous connaître directement une épreuve? Eh ouais, on est dans le différent extrême de la région, hein. Tout est différent. Quel genre d'épreuve vais vous prévoir? J'espère que ce sera pas vraiment du danger, vu qu'on est le début. Tu veux rire? Les différents extrêmes sera beaucoup difficile, comme je vous l'avais dit. Et cette épreuve sera de la bombe! Voilà comment ça se déroule l'épreuve. Une question d'explosion. Une explosion? Sérieusement? Il va quand même pas nous faire exploser, hein? C'est que tu peux être franchement naïf. attends une minute, ils sont où les outils de matériaux, hein? Je suis presque à parier qu'ils se trouvent peut-être là-bas. Bingo, mon dago. Tu peux être perspicace des fois, mon professeur P. Mais sauf que je vous interdis d'aller chercher, parce que l'épreuve, ça suffit juste de la faire redescendre à la bombe, puis le ramener au territoire exactement dont je vous ai cité, hein. Là-bas. Si t'as pas compris, c'est que t'es con. Cela dit, je tiens juste à vous prévenir un truc. Si jamais vous enlevez la bombe de cette sommet, eh ben il se peut qu'il va activer le compte à rebours de... vous savez, si jamais vous le détachez, le compte à rebours est de 20 minutes. Vous avez intérêt à être plus rapide, sinon ce sera l'explosion. L'équipe qui a réussi à désamorcer une bombe pourrait être immunisée. En revanche, si l'équipe n'a pas réussi à désamorcer et qui se fait exploser, eh ben ça voudrait dire que l'équipe a perdu. Et donc je vous souhaite bonne chance. À partir de maintenant, on se retrouve là-bas. Wouhou! Vous avez entendu? Dépêchez-vous, bande de larves que vous êtes! Ils sont toujours obligés d'être aussi agressifs. Espèce d'abruti d'attardé, pourquoi tu flottes pas? Probablement parce que ce serait vraiment trop facile. Eh, mais pourtant, Dr. Jones n'a pas dit qu'il faut pas faire. Il faut... Quand même. Cucu, vois le scoopito de service. Je vais l'escalader avec mes pattes trop cucu. Vous êtes juste trop stupide et vraiment bizarre. C'est pourtant évident que cette paroi est vraiment graisseuse. Il est trop malin, Dr. Jones, pour savoir si on est vraiment très con. Et ça paraît un peu le cas. Oh, mais ben, je suis pas con, c'est toi la conne, hein? Et pourquoi d'abord? Parce que tu aimes critiquer tout le monde. Voilà, c'est pas le moment de disputer quand même. Ouais, il a parfaitement raison ce mec. Et peut-être qu'avec mon épée, je pourrais le rendre un peu utile. Et d'où tu sors cette épée déjà? C'est une bonne question, mais bon, disons que c'est juste, bon, porte-chance, parce que depuis mon échec cuisant dans le plateau d'à côté, il fallait bien que je prenne cette épée pour me porter chance. Alors plante cette épée dans le perroir et tu la fermes! D'accord. Je suis coincé! Quel bon petit idiot, je te jure! Oh, mais misère, Shrek, est-ce que ça va? Hey, c'est pas drôle. Ne vous en faites pas les gars. Je vais juste traverser les parois. C'est plutôt facile que ça en a l'air. J'en ai fait ça dans Kingdom Hearts 3. Yes. Wow.
Attardez, vache, je te jure. Hey, je fais de mon mieux. Si tu as de meilleures idées, alors propose-moi. La force. Non, mais franchement, pour qui se prend celui-là? Sans commentaire. Bon, les mecs, il faut qu'on trouve un moyen, peut-être un trampoline. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends une minute, si je comprends bien, tu veux te servir du gros bidon de grise pour faire un trampoline? C'est une super bonne idée, hein? Bon, la question c'est comment le faire et surtout à quel moment on doit s'accrocher. On n'a pas besoin de ça, je vais juste me porter volontaire pour sauter. Mais attends, on n'a même pas appris le bon emplacement. Ouais, tu sais même pas ce que ça va faire. Mec, sérieusement, si ça se trouve, peut-être que le gros bidon de grise sera peut-être beaucoup plus beau. Il va te transporter peut-être même vers en haut. Oh, n'importe quoi. Y a raison, tu sais. Bon, peu importe. Waouh! J'espère qu'il va très bien malgré tout, hein! On l'espère surtout! Une idée! Je vais lancer un crétin pour qu'il puisse récupérer l'objet! Mais pourquoi moi? Parce que! Jean-Christophe! Sérieusement, mec, tu viens d'envoyer un poule mouillé! Mais sérieusement! Bah quoi? Il fallait bien le balancer quelqu'un qui soit fait pour souffrir. Quoi? À l'aide! Non mais, trouve-toi un autre gars, mais pas ça! Bon, peu importe. Badibou! Rien à foutre, j'en veux de rien foutre. À l'aide! Sérieusement? Eh, si tu t'es pas content, bah t'as qu'à le faire toi-même. Oh, allez, ça sert à rien de se disputer. Oh, il faut vite trouver une solution. Mais comment? Oh là là, réfléchis, purée. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais, genre fais? Hey! Non, ne me fais pas la même chose. Si on me touche, je te frappe. Mais qu'est-ce que tu me fais? Allez, je me porte volontaire, hein. Mec, si tu réussis, c'est cool, mais si tu réussis pas, bah honnêtement, ça craint. Alors faites tant mieux, ok? Ou sinon tu seras bon pour être éjecté, hein? Ouais. Mais ne soyez pas méchant, Mercerin, il fait de son mieux pour nous aider. Ouais, c'est pas cool ça. J'espère que tu vas pouvoir faire tant mieux en tout cas. Merci beaucoup les amis. Je suis pas ton ami, mec. Peu importe. Un, deux, trois. Il a la bombe! Cool, mec! Hey, Sora, je vais te dire un truc, tu m'épates! Merci beaucoup, Gris, mais c'est quand même grâce à toi avec ton idée, hein! Attends une minute, où est-ce qu'il est, Verdi? Je m'en sors comme neuf! J'espère qu'il va très bien malgré tout, hein! Bombe enclenchée. Départ imminente enclenché. Compte à rebours de 20 minutes. Oh, vite, on doit vite se dépêcher avant que cette bombe explose. J'avoue, tu as raison. Allons-y. Attendez-moi. Non. Les filles d'inferno sont en tête. Faut vite se dépêcher. Alors dépêche-toi, ou sinon, tu risques d'être le prochain d'être éliminé. J'espère que tu vois. Pousse-toi, Portinelle. Et pousse-toi, Badibou. Départ imminent. Enclenchement imminent. Compte à rebours, 20 minutes. Bon, maintenant, on n'a que plus qu'à rejoindre dans les territoires. Mais je sais plus laquelle. C'est pour ça que d'ailleurs que moi, Crotidin, je sais où est-ce qu'elle est. Parce qu'il y a il a quand même du bel cerveau dans à l'intérieur. Bon, allons-y. Où est-ce qu'il est, le territoire où Dr. George nous indiquait? Ce n'est pas la bonne piste. Oh là là, franchement, on est en train de perdre du temps, hein. Ouais, bah sans blague, hein. Oh,
toi, t'as intérêt à épargner des commentaires. Sérieusement. Oh. Bon, est-ce que l'un d'entre vous sait où est-ce qu'on est exactement? Sora, tu pourrais sauter plus haut pour savoir la destination? D'accord. Là-bas, je pense. Oh, super. J'ai dû oublier de vous prévenir quelque chose. J'ai comme l'impression de voir une créature terrifiante là-bas. What? Ah non! Pas moi, surtout pas moi, les filles d'abord! Pardon? Hey, mais c'est juste un simple petit chat chez nous! Oh! Mais il est vraiment adorable en fait! Sérieusement? C'est ça le créature sauvage en question? Pff, déception, je te jure. Oh, regardez-le comment il est mignon. Et ça me donne envie de le caresser. Oh, peut-être pas. Ah non! Ah, au secours! Qu'est-ce que... Bernie, est-ce que ça va? Totalement bien. Ça fait du bien de reprendre l'émission, ma. Bah honnêtement, je peux totalement comprendre. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Watiflame? Tu supportes pas le fait qu'on soit parfaite? Bah, laisse tomber. Bah, de toute façon, c'est moi le chef de l'émission. Et donc, personne ne pourra m'y empêcher. D'ailleurs, voici les plats d'équipiers épineux. Oh, ah bon? On a réussi! Et je ne vois pas le moindre Pélicano en vue! Ça voudrait dire qu'on sera gagnant! Eh les mecs, tic-tac! Plus que 2 minutes. Alors là, franchement, faudrait désactiver la bombe! Alors là, franchement, laisse-moi faire... Je m'en occupe. Alors... Attends, c'est tout? Bah, évidemment! Je propose celle-là. Non, j'ai mieux, mon gars. Regarde comment je sais faire. Désactive-toi, espèce de gros con. Désactive-toi. Désactive-toi. Sérieusement, mec. Désactive-toi. C'est pas du tout cette meilleure façon de désactiver une bombe. Hé, hey, minute papillon. Nous aussi, on est arrivés. Ah, vous voilà, les Pélicano. N'en peux plus. Sérieusement, mec, tu nous as fait perdre notre temps. Oh, alors les Pélicano, les plats d'épic ont pris un objet. Alors, parmi ces 3 objets, laquelle vous pouvez réussir à désamorcer la bombe? Laisse-moi faire, je m'en occupe. Tout ça, c'est à moi. Si tu veux. Alors Sora, est-ce que tu sais comment y faire? Je t'avoue que je suis pas vraiment très spécialiste en termes de mécanisme, mais... J'essaie de m'en rappeler, genre... Peu importe. Alors... Allez. Dépêche-toi, attends. Ce professeur est vraiment futé. Alors dépêche-toi de désamorcer. Je fais de mieux que je peux. Oh. Allez. Ça y est. Tic. Bombe désactivée. Je retire ça, et je retire ça. Et voilà, ce n'est plus du tout une bombe, mais une simple objet de rien du tout. Voilà. Attends une minute. Oh. Ouais, il a désamorcé la bombe en premier. Ça veut dire que j'ai gagné. Non, triple buse, on est dans l'équipe, donc techniquement, on a gagné. Ouais, merci, bon, je suis méchante. Je suis pas non plus trop égocentrique. Ah ouais, vraiment? T'es sûr ce que tu dis sur ce coup-là? Sans commentaire, tout simplement. Alors ça veut dire qu'on a genre gagné la première épreuve? Trop cool. Ça veut dire que je me suis donné tant de mal pour tes prunes? Pourquoi tu doutes en fait? En fait... Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quoi? Quoi? J'avais dit que l'équipe gagnant qui a désamorcé une bombe aura l'immunité. Ouais?
Ça voudrait dire qu'aucun d'entre vous sont perdants. Quoi ? Où est-ce que tu veux en venir par là ? Mais pourtant, j'ai désamorcé la bombe en premier avant lui ! C'est très juste. Mais sauf que aucun d'entre vous a été explosé. Donc ce qui voudrait dire que pour cet épisode, il n'y aura probablement pas forcément d'élimination. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? J'ai fait tant de mal pour désamorcer une bombe et toi tu te permets de dire que personne n'est perdant ? Bah au moins, au moins on n'aura pas fait l'élimination. Tu piques, espèce de crocon. Ouais, espèce de crocon, je te jure. Vous êtes tous que des crocons. Parce que franchement, on aurait pu faire de meilleurs parcours si vous auriez pu faire de votre mieux pour gagner l'épreuve. Eh, hey, mais sérieusement, pourquoi tu agis comme ça ? On a peut-être pas gagné l'épreuve, d'accord, mais on est immunisé. Ouais, bah je préfère mieux. Bah, de toute façon, t'es vraiment trop un gueugue. T'es vraiment trop stupide, gueugue. Je vais t'en foutre, moi, du gueugue, espèce de... Allez, tiens, prends ça. Tu as raté, gueugue. Bombe réactivée. Explosion dans 2 secondes. 1. 0. Oh non. Oh purée! Bah, de toute façon, personne ne se fait de soucis pour elle. C'est clair, elle faisait vraiment peur. Mais quand même, vous croyez qu'elle va s'en sortir? T'inquiète pas, Flaky. De toute façon, elle n'aura pas vraiment de moindres dégâts graves malgré l'explosion. Ouais, mais c'est quand même une explosion. Des explosions, ça fait franchement hyper mal. Gugu, je te l'affirme. Dommage pour vous, si vous n'aurez pas explosé, bah vous n'aurez pas perdu l'épreuve. Oh, quoi ? Je te l'ai dit pourtant. L'équipe qui a fait perdre... l'équipe qui a fait exploser la bombe, sans désamorcer, aura perdu l'épreuve. Oh, mais non ! De toute façon, ce Duck Duck Jones, il n'avait qu'à pas faire n'importe quoi, je te jure. De toute façon, moi, c'est pas ma faute dans l'histoire, c'est la faute à Scooby-Doo. Il n'avait qu'à pas m'énerver, de toute façon. T'es trop gueugue, de toute façon, hein. Ça sert à rien de vous débattre. Il y a une seule équipe qui a bien fait les épreuves et qui n'a même pas eu le moindre explosion. Et c'est donc les Phoenix Poignardons qui ont gagné la première épreuve. Trop cool. Ça se voit quand même que je suis dans la bonne équipe. Oh, mais tu sais, gagner ou pas, c'est pas vraiment important, mais je suis content quand même de gagner. Super! Notre première épreuve, on a gagné! Et pas seulement grâce à Sora, mais grâce à moi. Ouais, je l'avoue. Ouais, on a gagné! Oh, c'est pas vrai! Oh, je te jure. Rien à foutre! J'en ai rien à foutre qu'on a perdu ou pas! J'ai envie de glander! Toi, ta gueule! Espèce de sale porc! Oh non, c'est pas vrai! Et dire que je m'étais donné tant de mal! Ne t'en fais pas, Gégé, tu as fait ton mieux! Payons! Merci beaucoup, hein, de votre soutien! J'avais de soutien, je te jure, quoi! Mais en fait, Duck Duck Jones, où est-ce qu'on va dormir? Ah, mais rassurez-vous, pour votre dortoir, on a prévu quelque chose. Voici l'endroit où vous allez tous dormir. Quoi? Mais c'est un dortoir tout pourri. Justement, c'est fait pour être pourri. Aïe. J'ai mal partout. Et moi qui croyais qu'on aurait fait une belle victoire pour un début, hein. Les plats des pics épineux, vous avez perdu, hein. Ce qui voudrait dire que pour le prochain épreuve, vous allez devoir éliminer un de vos membres. Attends une minute, c'est-à-dire... attends une minute, c'est-à-dire qu'on va reprendre les votes normales. Exactement, le prochain épisode, ce sera une élimination par vote. Tu te souviens ce qui s'est passé? Il y avait un candidat qui avait trafiqué les votes dans le plateau d'à côté. Si tu veux parler de Gragowitz ou de Fafreux, bah d'ailleurs je préfère appeler Gragowitz pour ce que c'est, eh ben je suis totalement au courant. Mais pour moi, je vais garder les systèmes de vote normal, les éliminations par vote. Cela dit, pour le prochain épisode, je vais vous expliquer les règlements sur les éliminations par vote et concernant sur le traficage.
Mais je vais pas expliquer tout de suite parce que là, on a fait une très longue vidéo et on va pas trop durer longtemps, hein, pour ce que c'est. Enfin bref, les plats des pics épineux ont perdu. Qui parmi ces 12 candidats feront partie des premiers des éliminés, hein? Vous saurez, enfin, à vos claviers. Et surtout, votez qui vous voulez qui aurait une pénalité. Et vous serez des tas de nouveaux dans la vallée des défis extrêmes. Hé, Razowski, C'est à moi que tu parles, mec? Exactement. Tu te souviens quand on s'est rencontrés dans Kingdom Hearts 3? De quoi tu parles? Mais oui, tu sais, dans l'usine à monstres. Ah, je crois que tu as parlé à mauvaise personne. Attends, où est-ce que tu venais venir par là? Tu le mets au Razowski que j'avais rencontré. Certes, mais c'est le Razowski de Monstre Compagnie. Moi, je suis le Razowski de la bande à gogo. La bande à gogo? Bah oui, exactement. C'est une série qu'on tourne en ce moment. Et... j'ai été forcé par ce crétin de Morty. Attends, ce Morty-là? Le Morty qui a fait perdre les plats d'épique? Ouais, exactement. Il me fait la honte, je te jure. Ah, je suis vraiment désolé pour toi, l'ami. Ah, merci de faire du souci pour moi, hein. Enfin, en tout cas, on a quand même gagné l'épreuve, donc autant pour dire qu'on n'aura pas l'élimination. Ouais, mais j'ai quand même la peine pour les plats d'épique, hein. Ils ont fait de leur mieux pour gagner l'épreuve, mais ce Morty a foutu en l'air. Vraiment un gros coup dur pour eux. Ouais. Vraiment un vrai coup dur.